plus de 500 millions de dinars en redevances à profit des communes et des collectivités locales, donc en plus des mobiliers urbains qu'on est en train d'offrir à ces communes, donc en partenariat avec ces collectivités-là. Aujourd'hui, on a donné une conférence de presse pour produire certains produits qu'on est en train de commercialiser, on est en train de mettre en place sur les villes algériennes. Hada comme tu vois, c'est un abribus. L'ibdina l'a fait il y a à peu près un mois. Bdina la production il y a une année qu'on a pensé à ça pour qu'il soit un abribus connecté. Un abribus connecté, c'est-à-dire faire le Wi-Fi, faire Internet. Et puis c'est un abribus qu'on peut charger un téléphone, qu'on peut charger un smartphone, ou tu peux charger fait ou je t'aide. En même temps, l'abribus lui-même, on peut charger fait le contenu ou la charger fait du YouTube ou là c'est certains produits. L'abribus lui-même, il est doté des nouvelles technologies. Il y a la technologie LCD et la technologie LED qui permet la diffusion instantanée ou la dire l'information, la collectivité ou la mairie ou la baladia. Elle peut donner l'information à ses citoyennes ou à ses soukantaha fait Adjel. Ainsi que pour les producteurs, ils peuvent faire de la communication avec les consommateurs en direct. C'est une technologie très très avancée. On a fait un mariage mixte avec un producteur chinois qui est spécialiste dans le LED et le LCD. Et Wahnaya, dans tout ce qui est structure, produit Nahanaya, on a fait un assemblage qui a donné un abribus smart ou un abribus connecté. L'opération Dinaf Zahir, l'opération va être étendue à d'autres villes à l'horizon de 2019. C'est un plan d'action, on a un business plan qui sort en 2019. Bach Narjao Lmoudoun, ou les villes algériennes connectées, ou là les dotées de mobilier urbain intelligent, ou là un mobilier qui permet à la collectivité d'être connectée, ou là d'être en permanente connexion avec les citoyens. هل المخابئ ايضا نقدروا نتعاملوا بهم je peux citer des matchs, je peux citer des événements, je peux citer un match comme le match d'Algérie-Cameroun dans quelques jours. On peut le connecter directement, on peut faire une diffusion directe du match. On peut donner de l'information, les résultats en direct. En instantané, on peut diffuser l'information sur Internet, on peut les donner. On peut mettre directement le supporter ou les chauffeurs match, parce que ce n'est pas tout le monde qui va aller au stade, on ne peut pas tout exagérer. Un des gens qui chauffent au trek, un des chauffeurs d'or, un des chauffeurs au trek, il peut surpasser Kadem Labribis et peut même voir le match. Si on ne donne pas le match, on peut donner les résultats.
c'est ça l'objectif de son mobilier. Très bien.